Fais le gars ici. Faut pas qu'il me suive. ¡Mis piernas! ¡Oh, mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas no responden! ¡Quiero quedarme aquí! Wow! Ça a l'air beaucoup plus dangereux que la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui apparaît? J'ai pas envie d'être dedans. J'ai pas envie d'être dedans. Je peux grimper sur ces trucs? Oh, on est pas sur du Mario, les gars, là. Ok, ils vont me repérer, là. Hein. À la guerre comme à la guerre. Non, c'est vous qui tombez, je crois pas. Oh, double. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Meurs. Voilà. Comment je passe ici? C'est extrêmement perturbant que tout bouge comme ça. C'est vraiment extrêmement perturbant. J'allais là-dessus. Je sais pas, ça bouge donc. Faut que j'aille sur cette plateforme là, je pense. Ok. Ensuite, on va sur celle-ci qui devrait normalement monter plus haut. Voilà, c'est bon, on arrive, il y a une poutre. Hop! Caméra. 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 Je le sentais. Mais c'est pas évident là, avec la caméra comme ça. Ok, cette fois fais pas de conneries. Ok. Ouh. Ça me rappelle tellement Assassin's Creed 3 quand on explorait les... Rappelez-vous dans le let's play les ruines lorsqu'on jouait avec Desmond. On était dans une zone, la planque dans laquelle on était avec l'Animus. La planque dans laquelle on était avec l'Animus était un ancien vestige, un peu de ce style. Bah, de toute façon, c'est ça dans plein d'Assassin's Creed, mais c'est vrai que dans le 3, ça m'avait extrêmement marqué. Tu es Loreno Torres. Il est là. Il est... Comment? Ok, il est de l'autre côté. Je crois pas, non. Ok, mais venez tous. Ok, c'est la guerre. On les détruit tous un par un. Et oui, voilà. Toi, t'es mort aussi. Je sais me battre. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars, sérieusement? Hop, toi, t'es mort. Ça tremble beaucoup. Et une grenade qui a été jetée. On se casse. Toi. Voilà. Comment j'avance? Comment je le rejoins? Par là-bas. Salut. Hop. Allez, c'est le moment. Vous allez pas me dire qu'il m'a pas vu quand même. Si, il me voit là. Le vieux, il est là. Enfin, j'ai envie de dire. Quoi? Il craint pas? Il craint pas le pistolet. Oh. Wow. Ok. C'était un piège. C'était un piège ou c'était fait exprès, je sais pas. En même temps, il va pas se laisser tuer comme ça, j'imagine, si c'est la fin. Vous avez remarqué, hein, encore un vieux. Ça me rappelle Al-Mualim et compagnie dans les premiers assassins. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Stop. Grimpe. Voilà. Je sais pas toujours pas ce que c'est que cette aura bizarre. Hein. J'ai peur d'y aller, hein, vraiment. J'ai peur que ça me défonce.
C'est une sorte de protection, je sais. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là, date mission. Bon, allez, prenante au moins, c'est bien. Ouh. On a eu chaud. Donc là en bas, on est tranquille. On a vraiment eu chaud, on a failli se faire choper au dernier moment. Reste là. De toute façon, on le voit de quel côté ça sort. On voit l'aura derrière le derrière la fissure. Vas-y, grimpe. Voilà, où est-ce qu'il est? Je peux toujours pas te... Ni comme ça, d'ailleurs. Ah, ok, il a un aura autour de lui. Il a bel et bien un aura, donc ça ne sert à rien. Faut sauter. Faut arriver à le rejoindre. Bon, cette fois, tu vas pas m'échapper. Vas-y, toi. Hop! Où est-ce qu'on va là? Wow! Ok, parfait. Saute! Il va me tirer dessus. Il me vise, on dirait. Nous aurions pu travailler main dans la main. Nous aurions pu prendre le pouvoir ensemble et mettre à genoux ces enfants. Je peux pas. Il a une protection. Enfin, ça dépend des moments en fait. Là. Je peux pas assassiner, je peux là, vous pensez? Enlève-moi cette protection. Ah! T'es mort! Yes! Capitaine Kenway, aussi tenace qu'une sangsue. Ce meurtre fera-t-il ton bonheur? Je crois qu'assurer ta disparition, Torres. Tout ce que tu souhaitais pour moi. Mais nous avons fait pire, je crois. Tu n'as plus ni famille, ni amis, ni futur. Tu as perdu bien plus que nous. Ouais, peut-être. Mais te tuer répare tous les torts que j'ai jamais causés. Tu le penses vraiment? Tu aimerais voir le genre humain réuni dans une jolie petite prison, sans âme et sans cœur. Pour mieux le contrôler et le priver de toute passion. Alors oui, après tout ce que j'ai pu voir et apprendre ces dernières années, je le pense. Tu assumes tes convictions avec foi. Tu as changé. Torres a déclenché quelque chose. On est en danger? Pas si tu remets l'appareil en place, Edward. Comment vous appelez cet endroit? La folie du capitaine Kenway! Rassure-toi, c'est fini. Rendors-toi. Ce lieu doit être scellé et sa clé jetée. Jusqu'à ce qu'un nouveau sage apparaisse, cette porte demeurera verrouillée. La dernière fois que j'étais ici, il y avait des fioles. Des fioles remplies du sang de vieux ancêtres, d'après Robert. Mais elles ont disparu. Alors il nous appartient de les retrouver, avant que les Templiers n'en aient connaissance. Tu serais utile à notre cause. Je sais, mais... Je dois d'abord réparer le mal que j'ai causé chez moi. C'est arrivé la semaine dernière. Oh oh. À mon avis, vu la tête qui tire, c'est pas franchement bon signe. Bon. Est-ce qu'on a terminé le jeu, les amis? On va voir ça tout de suite, mais je pense que là, c'est bel et bien fini.
debout là-dedans. Je ne pense pas qu'on ait eu la chance d'être présenté. Du moins pas à cette époque. J'aimerais pouvoir t'expliquer la situation, mais on n'a pas beaucoup de temps. En résumé, tu as vu ma bien-aimée Junon. Et l'espace d'une minute, j'ai bien cru qu'elle viendrait occuper ton joli petit corps. Mais tout a dérapé! Et maintenant, elle s'est volatilisée, disparue. Ah, elle était magnifique autrefois. Elle était de la race de ces merveilleuses et sublimes créatures. Celles qui vous ont façonné! Est-ce que tu savais ça? Vous n'étiez que des instruments entre leurs doigts. C'est comme ça depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Enfin, le jour viendra, j'espère. Car le monde ne sera jamais aussi prêt, connecté, paré pour le jugement dernier. Oh. Oh oh. Les voilà qui arrivent. Les Templiers. À moins que ce soit les assassins cette fois. Des idiots. Tous des idiots. Je suis jaloux. Elle voulait que je sois là pour l'accueillir. C'est grâce à ces expériences que j'ai pu renaître sous la forme d'une de ces choses. Ah ! Reste à terre ! Allez, sur le dos, dépêche-toi ! Il est armé ! Guide-moi dans les limbes, mon aimé, je suis ton instrument ! Pose ton arme ! Pose-la ! Obéis ! Lâche ton arme ! Ça y est, c'est bon. Examinez-le. Il se vide de Allez son voir. Sang. Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Eh, parle-moi. Ça va aller? Tu t'en es sorti, Dieu soit loué. J'espère que tu vas bien. Tu peux te lever? Bien. Essaie de marcher un peu. Un docteur est passé. Il a dit qu'on n'avait pas à s'en faire. La dose de la seringue était loin d'être mortelle, donc pas d'inquiétude. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Et pour tout le reste. Tout accusait absolument tout, mais c'était John le coupable. On en a trouvé des choses sur son ordinateur. S'il te faut quoi que ce soit, tu nous demandes. T'as fait un travail remarquable. Tiens, d'ailleurs, la bande-annonce est finie. Ça te dit de la voir? Tu l'as bien mérité. Et voilà, je l'ai envoyé dans ta base de données. Regarde-la ici ou sur ton Animus. Je crois que tu vas apprécier. Elle reflète vraiment l'essence de l'époque. Bon, à bientôt. Et encore une fois, merci. Dans un monde où les pirates règnent sur les mers, ces hommes vont découvrir que rien n'est sacré et que toutes les routes mènent au rhum, au pillage et aux femmes. Hola, mes jolies. Cet été, Abstergo Entertainment vous fait grimper à bord pour l'aventure de votre vie. Alors, affûtez vos sabres, faites briller vos crochets et embarquez avec les Diables des Caraïbes. Une expérience virtuelle bientôt disponible. C'est nul. C'est complètement nul, ça reflète absolument pas. Ça reflète que le début, mais ça reflète absolument pas ce que devient Edward. C'est complètement nul. Bon, chose qui vient de se passer quand même. John, le type qui vient de mourir sous nos yeux, c'est pas le type qui nous parlait par message à chaque fois, par radio, et qui a pété un câble la dernière fois parce que Junon n'a pas pris possession de notre corps, je pense, hein. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Retournez à votre Animus. Eh ben, on retourne à notre Animus. On en est juste à côté, donc ça tombe plutôt bien. Et je suis censé faire quoi, maintenant? Parle, espèce d'abruti, ça marche! C'est pas la lumière de la batterie? Je croyais que c'était la lumière de la batterie. Allô? Allô? Ah. Désolé, je m'attends.
m'appelle Sean. Et elle, c'est Rebecca, ma petite complice. Salut, tu as fait du sacré bon boulot, sans blague, je le pense. Si, si. Tu nous as livré toutes ces données. C'est vraiment dommage que notre agent infiltré ait été aussi, aussi fanatique. Ouais, c'est ça, fanatique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement, quelle éloquence. Bref, on savait que John serait capable d'aller fouiner dans les serveurs cloud d'Abstergo. Et, je l'avoue sans honte, on a sauté sur l'occasion. Sans savoir qu'il se servait de toi. En guise de fusible, au cas où quelque chose ne tournerait pas rond. Au final, je crois que tout s'est bien passé. Oui, enfin presque tout. Ce que Sean essaie de te dire, c'est que si tu veux continuer à hacker, on est partant. John t'a donné l'accès au troisième niveau de sécurité avant de mourir. Tu devrais en profiter. Les assassins n'ont pas les moyens de te payer autant que les Templiers. Mais je te promets que tu n'auras pas à le regretter. Écoute, il va falloir qu'on y aille, Bex. Plus que 20 secondes. Ah, ok. Bonne chance. Salut à toi. Très beau travail. Vraiment impeccable. Tu peux te féliciter. Et joyeux piratage. Alors, Sean et Rebecca, vous savez qui c'est ? C'est les amis de Desmond. C'est les amis de Desmond. Et je me pose la question sur quelque chose. Ouais. Regardez le titre de la mission. Un visage surgit du passé. Il vous rappelle rien, le John ? Sincèrement. Il vous rappelle personne ? Parce que c'est pas la première fois qu'on le voit. Et je l'ai pas reconnu tout de suite. Mais c'est assez bluffant. Je dois dire que c'est assez bluffant et c'est assez perturbant. Et au passage, chez figurines, il y en a plus qu'avant. J'ai l'impression que... Bah, c'est comme Tendo, un petit peu. Ouais. Bon, bah écoutez, on retourne dans notre Animus. Puisqu'apparemment, on peut continuer. Mais alors, je pense savoir ce qui va se passer quand on va retourner dans l'Animus. Si c'est le cas, je vais vous le dire juste après. On va voir ça tout de suite. Mais à mon avis, le générique n'est plus très loin. Rentrer dans l'ordre. Ouais. Ça semble coïncider avec ce que je vous dis. Alors, messieurs, que dites-vous de cet endroit ? Ce sera parfait pour nous. Mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons, comme jadis Altaïr nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici chez vous. Edward, Capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dettes, mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Bonsoir, Anne. Edward. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serais vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé, mes affaires réglées. Navire en vue ! Il approche de la crique ! T'es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part,
Tu feras un bon père un jour. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't so felt me the parting glass. Good night and joy be with you all. Bon, et bien voilà qui se termine. Enfin, c'est vrai que ça aura pris son temps, mais le générique est là et je pense que je vous laisserai bien la fin du générique parce qu'à mon avis, on va voir une dernière cinématique qui va être assez révélatrice, je pense. C'est pas sûr, mais je pense. Un bon père, ouais, ouais, je sais pas. Comment t'expliques que tu termines assassin et que ton fils Ethan soit un templier ? Moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas forcément. C'est un peu bizarre et ça amène probablement l'idée qu'il y aurait un prochain assassin. Est-ce que ce sera encore avec les Kenway ? Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Autant à la fin du 3, j'avais des infos sur un 4. On me l'avait dit parce que j'avais des contacts avec Ubisoft, vous le savez, j'ai quelques contacts avec eux. Et j'avais la chance de savoir qu'il y aurait eu un 4. Là, pour le coup, je suis pas du tout au courant. Je me doute fortement qu'il va y avoir un nouveau, parce que ça termine encore une fois avec du suspense, et c'est assez étrange. Ça laisse quelques points en suspens. Mais enfin, je sais vraiment pas si ce sera avec les Kenway ou pas. Peut-être, quand même peut-être, et ben... Bon, le bilan de ce jeu, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? C'est pas mon Assassin's Creed préféré. Je préfère être totalement franc avec vous. La fin est très bien. C'est vrai que la fin nous ramène à du Assassin's Creed. Après avoir abandonné Mère ? Eh bien, je n'ai pas abandonné. Enfin, je ne suis pas parti sans dire au revoir. C'était un arrangement, tu comprends, entre ta mère et moi. Elle disait que vous l'aviez abandonné. Elle disait que vous vouliez naviguer sur votre bateau et gagner de l'argent au Nouveau Monde. J'ai toujours voulu naviguer, c'est vrai. Mais pas pour m'amuser. Pour que nous vivions mieux. Pour prendre soin d'elle. Pour prendre soin de toi. Pas de moi. Mère disait que vous ne saviez pas que j'existais. Elle disait que vous n'écriviez qu'une fois par an et qu'elle ne savait jamais où vous étiez. C'est vrai, j'en suis désolé. Si j'avais su plus tôt, je ne sais pas. Je serais peut-être rentré. Je l'espère en tout cas. Vous deviez être très occupé. Moi, c'est ce que je crois. Je l'étais, mais ça n'aurait pas dû m'en empêcher. Ok. Un bateau ? Je ne vois pas de bateau ici. Et toi ? Oh, je voulais dire navire, mais honnêtement, je ne vois pas la différence. C'est très simple, Jenny. Un navire peut transporter un bateau, mais un bateau ne peut pas transporter de navire. Alors, petit ou grand, ce ne sont que des navires. À part mon tout petit bateau, celui que je prends dans mon bain. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Jenny, c'était difficile de parler de Caroline, de ta mère. Non. Elle est morte depuis plusieurs années. Elle me manque, mais ça va. A-t-elle souffert ? Je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait.
Elle a été très joyeuse pendant un certain temps. Puis, plus vraiment. Je ne la voyais plus beaucoup après cela. Et ensuite, elle est morte. Je suis désolé. Je regrette de ne pas avoir été là. Ce n'est pas grave. Vous êtes là maintenant. Et nous partons à l'aventure. Une aventure modeste, j'espère. J'en ai vécu assez pour toute une vie. Verrons-nous une baleine, père ? Oui, il y a de fortes chances. Et des pirates ? Est-ce que je vais voir des pirates ? Non, ça, en revanche, ça m'étonnerait. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé en voir un. Je vais te dire une chose, Ginny. Dès que ces vents auront un peu faibli, je te laisserai barrer le Jackdaw. Un petit tour à la barre avant la nuit. Oui ! Miss Jennifer Kenway, permettez-moi de me présenter. Jennifer Scott, je vous prie. Je suis désolé, je... Ma fille a été élevée par sa mère, Caroline, jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années. Jenny a toujours préféré son nom au mien. Ah, pardonnez mon ignorance. Je le ferai. Elle, c'est moins sûr. Vous pouvez m'aider, père ? Ce petit vaurien, en revanche, est bien Kenway. Qu'y a-t-il, Etab ? Je n'arrive pas à voir la scène. Allons-y. C'est mieux ? Oui, mais n'allez-vous pas fatiguer ? Eh, je ne suis pas si vieux que ça. Mais si je fatigue, alors on filera de cet endroit guindé et on ira prendre un chocolat avec ta mère. Ça te plairait ? Oh oui, père ! Bon, chute maintenant. Bon, voilà, je me doutais bien que ça allait finir comme ça, même si c'était prévisible, exactement. Même si, pour le coup de la fille, je m'y attendais pas. Et en Assassin's Creed 5 avec une assassin fille, ça pourrait être stylé, non ? Alors je sais pas du tout si elle aurait les compétences ou pas, mais pour rester dans une lignée Kenway, enfin même si elle dit que c'est pas une Kenway, mais vous m'avez compris. Bon, ça c'est vrai que... J'avais pensé, quand j'ai vu qu'il a lu la lettre tout à l'heure à l'observatoire, je me suis dit, pour qu'il parte, c'est qu'il y a une nouvelle, il y a quelque chose. Et la nouvelle, bah ouais, effectivement, il avait une fille cachée depuis plusieurs années. Et Etam, le petit Etam qu'on a enfin vu. Alors, Etam, et vous avez remarqué l'endroit où on était, le théâtre, c'est le théâtre dans lequel on contrôle Etam au tout début dans Assassin's Creed 3. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ce théâtre-là, j'en suis persuadé. Et ouais, et le petit Etam qui est gentil pour le moment et qui va devenir un Templier après. Alors il y a un mystère là-dedans, c'est vrai. Je veux pas dire ce que je sais. Honnêtement, je veux pas dire ce que je sais. Vous pouvez trouver les informations sur internet. Je veux pas dire les informations que je sais parce que dans l'éventualité où le prochain Assassin's Creed, s'il y en a un, mais ça me semble obligé, raconte cette histoire-là, justement, ce serait juste stupide de ma part de vous spoiler ça maintenant. Mais ça laisse une part de mystère. Et bah, le petit Edouard, on s'y attache finalement à la fin. On s'y attache parce que enfin on voit le rapport avec les anciens Assassin's Creed. Alors, je l'aime pas autant que Connor, c'est vrai, mais je le déteste pas autant que Ezio. Non, ça... Ça reste un bon Assassin's Creed. Sur la fin, mais un bon Assassin's Creed quand même. Au début, c'est plus un jeu de piraterie qu'autre chose. Très sympathique, ça donne une belle bouffée d'oxygène, mais je suis quand même bien content que sur la fin, ça retrouve ses origines. Et... Bah, très franchement, ça aurait été un grand plaisir pour moi que de vous faire ce let's play. Alors c'est vrai que, forcément, la comparaison avec mon let's play sur le 3 est obligatoire, et à choisir, je vous prendrai quand même le 3. Je préfère être lucide là-dessus, hein, et sincère. Mais c'est avec aucun regret que je vous aurais fait ce quatrième opus, je vous avais promis que je le ferais. Et avec la superbe fin à laquelle on a droit, bah c'est vrai que...
je suis quand même assez content d'être allé jusqu'au bout et de pas avoir rage quit il y a quelques épisodes de ça. Et puis bah écoutez, comme à la fin du 3, j'ai envie de vous dire que vous avez ma parole et ma promesse. Si un 5 sort d'ici un an ou deux, bah, si je suis encore là, comptez sur moi pour être au rendez-vous. Ça va devenir une sorte de petite tradition. Peut-être même qu'un jour je vous ferai les anciens, parce que c'est vrai que je vous fais ça, mais j'ai pas commencé par les premiers. Mais bon, en même temps, j'arrive dans la lignée Kenway, là ça suit la lignée Kenway, donc ça va. C'est pas comme si j'arrivais en plein milieu d'une histoire. Ça passe. Puis bah écoutez, il est quand même temps pour moi de vous remercier toutes et tous d'avoir suivi ces 29, puisque je pense que j'aurais fait mon sadique vu la durée de l'épisode et que je l'aurais coupé en deux. Parce que oui, j'ai tout tourné d'une traite et ça m'aura pris, bah, au final, ça m'aura pris presque une heure et quart, donc j'aurais découpé ça en deux. Donc 29 vidéos, bien chargées et pleines de rebondissements. Et bah, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre la série, parce que ça aura fait beaucoup de vues à chaque fois. Vous avez été très 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 nombreux à suivre les épisodes. Et ça m'aura fait plaisir. Très nombreux à me donner des conseils également. Entre le 3 et celui-ci, je pense que si on reprend au tout début du 3 ma façon de jouer il y a un an, et maintenant, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, pense que c'était pas la même personne qui joue. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos conseils qui m'auront permis, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ça fera l'épisode d'avant, mais comme je l'ai souligné, de me remettre dans le bain, parce que c'est vrai que j'avais fait le 1 et le 2, mais après j'avais eu une grosse pause avant le 3. Et donc, grâce à vos conseils, j'aurais pu retrouver mon niveau et encore plus m'améliorer. Et je pense que même si vous aimez les fails de temps en temps, pour les épisodes, c'est quand même plus agréable de voir quelqu'un qui assure un minimum. Et puis, tradition oblige, je vais vous sortir ma phrase fétiche, mais une page se tourne et donc une autre va s'ouvrir sur un jeu que la plupart d'entre vous ont deviné de quoi il s'agissait. Je l'avais dit sur Twitter, je l'avais fait deviner en vidéo, donc voilà, ça sera un jeu qui s'annonce très 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 long, je pense. Je veux pas donner de nombre d'épisodes, mais à mon avis on est bien parti pour une cinquantaine de vidéos. Donc ça va non seulement battre le record que Wind Waker détient désormais, donc le record de Wind Waker aura pas tenu très longtemps, enfin le temps qu'on arrive à 50 vidéos, il y a le temps, mais... voilà, puis le jeu que je compte vous faire également après Wind Waker, on sera pas loin de la fin de Wind Waker à ce moment-là, au moment où je posterai cette vidéo, mais sera également probablement plus long que Wind Waker. Donc finalement, si vous suivez les deux Let's Play, ou même si vous en suivez qu'un et que vous avez envie de voir la suite, et que les deux prochains Let's Play ou l'un des deux prochains Let's Play vous tente, eh ben, on sera parti ensemble pour, et avec les deux, pour au moins 80 vidéos, je pense, donc... Il y a matière à s'amuser pour de longs mois, parce que lui nous aura pris finalement 2 mois et demi, c'est Assassin's Creed 4. Zelda Wind Waker en est à plus de 3 mois. Donc imaginez ça en presque 2 fois plus gros. Ouais, ça fait, écoutez, l'année 2014, on va partir sur des longs let's play, hein, en comptant ceux de fin 2013 aussi. Ça reste plaisant, enfin ça dépend, je suis capable de vous faire des let's play de 17 vidéos, puis après de 38, enfin qu'est-ce que vous laissez, c'est comme ça. Mais bon, tant que ça me plaît et tant que vous serez au rendez-vous pour suivre, moi ça me motivera, et vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à regarder les vidéos, à laisser des commentaires, des pouces verts, à me donner des astuces, à me parler sur Twitter, sur Facebook, sur Ask, sur Instagram, sur YouTube tout simplement. Et puis ça, c'est un nouvel aspect de ma vie auquel je dois me faire, mais de plus en plus dans la rue. Oui, ça peut paraître bizarre, mais je dois avouer que très souvent maintenant, quand même, quand je vais en centre-ville ou que je me déplace dans des endroits très fréquentés, même si je l'annonce pas, ça arrive souvent que quelqu'un me reconnaisse, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos où je me montre, pas celle sur Assassin's Creed, au final il y aura pas eu de face commentary, mais bon. C'est un nouvel aspect de la vie auquel je dois me faire. Et bon, là c'est pas que le résumé du let's play que je suis en train de vous faire, et puis le résumé de la chaîne, mais c'est vrai que c'est ce genre de série qui, voilà, c'est pas les séries les plus vues. Oui, ça fait pas autant de vues que du Minecraft, mais qu'est-ce que je m'éclate plus. Et vous le savez que j'ai une relation particulière avec vous qui écoutez les let's play. De toute façon, enfin je veux dire, quelqu'un qui regarde le Minecraft et le let's play, je pense que ça rend compte, j'ai pas du tout le même, comment dire, discours, ni le même comportement.
parce que les retours ne sont pas les mêmes, tout simplement. C'est plus personnel, c'est plus affectif, et je le ressens, et vous le ressentez en retour, je pense. Et puis après, avec tout le respect et tout l'amour que j'ai pour Minecraft, un jeu comme un Assassin's Creed ou comme un Zelda me prend beaucoup plus au cœur. Il y a des émotions, il y a une histoire, chose que n'a pas Minecraft. Minecraft, c'est un bon jeu en multi pour se défouler, et je continuerai à vous faire du Minecraft aussi, ne vous inquiétez pas, mais c'est clairement ce genre de jeu que c'est clairement dans ce sens que je veux axer ma chaîne, et que j'ai toujours axé ma chaîne. Je veux dire, ma chaîne a démarré, il n'y avait pas de Minecraft pendant presque 6 mois, après il y en a eu un tout petit peu, mais vraiment très peu, après il n'y en a plus pendant un an. Maintenant il y aura du Minecraft, il y aura une période où Minecraft me lassera, mais les let's play, c'est ça l'avantage, c'est que des jeux vidéo, il y en aura toujours. Et donc, par conséquent, il y aura toujours matière à vous faire des vidéos. Et c'est ça juste qui est génial, quoi. J'ai envie de dire, c'est juste ça qui est génial, c'est que vous aurez toujours du contenu. Tant que ça ne me lassera pas, comptez sur moi pour être au rendez-vous. Et donc là, si je dis pas de bêtises, cet épisode devrait sortir un jeudi. Oui, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de vidéo samedi. Mais comptez sur moi, je pense, dès le lundi qui arrive, donc une petite attente de 4-5 jours, pour démarrer le nouveau Let's Play, donc sur... je vais pas vous dire le nom, mais vous l'avez déjà toutes et tous deviné. Et donc ce sera sur le même programme qu'Assassin's Creed 4, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine, les mardis, jeudi et samedi. Et puis une fois que Zelda Wind Waker en parallèle sera terminé, ce sera le nouveau Let's Play, les lundis, mercredis et vendredis, et le nouveau Let's Play qui remplace Assassin's Creed, voilà, comme je vous ai dit, on fait un roulement. Là je vous parle dans l'hypothèse où vous suivrez le prochain Let's Play, je pars du principe qu'une grande majorité le fera, parce que c'est vrai que d'un Let's Play à l'autre, on retrouve souvent la même communauté. Même si c'est vrai qu'après, selon les jeux, et je peux le comprendre, certains lâchent et puis reviennent plus tard. Je sais que par exemple, que pour ce Let's Play, il y avait des gens qui ne m'avaient pas suivi depuis peut-être, je dirais, un an, mais qui étaient revenus pour ce Let's Play. C'est la particularité du Let's Play, et ce qui peut expliquer aussi, des fois j'essaie de trouver des raisons. Ouais, vous avez vu, je parle beaucoup, là, j'attends de voir s'il y a quelque chose après le générique, en fait. Pour ça, je parle. Mais parfois, j'essaie de me dire, c'est vrai que, même si c'est le cas pour tout YouTuber aujourd'hui, mais c'est vrai que pas grand monde fait le même nombre de vues que son nombre d'abonnés. Bon, c'est lié à l'algorithme, machin. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est encore plus vrai pour les Let's Play, parce que finalement, passer d'un Pokémon à Amnesia, ça n'a rien à voir. Et ça peut être deux publics complètement différents. Donc c'est vrai que, il y a quelques mois, je vous parlais dans mon Prince of Persia, dans mon Let's Play sur Prince of Persia, que je voyais ma chaîne un peu comme une sorte de chaîne télé, où je peux vous proposer différents programmes, et là on est en plein dedans. Certains regardent ces vidéos, certains regardent celle-ci, certains regardent telle vidéo, etc. Et certains les regardent toutes, évidemment, mais voilà. Écoutez, si vous avez apprécié ce Let's Play sur Assassin's Creed 4, je vous encourage à voir le prochain Let's Play qui arrive très bientôt. Si c'est pas votre tasse de thé, écoutez, je vous en voudrais pas. Ce sera un Let's Play très différent, c'est un style de jeu très différent, mais très très accrocheur, hein. Vous verrez, essayez de voir les 2-3 premiers épisodes, au moins le premier déjà, histoire de vous fixer un avis. Ce sera un changement complet d'ambiance. Puis, si ça vous tente pas, je vous en voudrais pas, et je vous donne rendez-vous peut-être d'ici, je sais pas, un an, quelque chose comme ça, pour un prochain Assassin's Creed. Et peut-être, si vous avez pas vu le Let's Play sur le 3, éventuellement, allez le voir. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Puis, comme je vous dis, je réfléchis éventuellement, pourquoi pas, à vous faire les anciens Assassin's Creed aussi, peut-être un jour, parce que c'est vrai que j'ai commencé au 3, et puis il y a des bons Assassin's Creed avant également. Donc on verra, tout ça, ce sont tellement de réflexions, les amis, qu'il y a encore largement le temps de voir ça ensemble. Et puis, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour finir, parce que le générique a l'air de ne pas vouloir se terminer, ça fait 10 minutes que je parle. Juste un grand merci, voilà, juste un grand et beau merci à vous pour l'aventure que vous me permettez de vivre. Puis je vous laisse là. Et je vous laisse le générique, et s'il y a quelque chose à la fin du générique, vous le verrez, c'est promis. Sinon, ça va se terminer dans pas longtemps. Voilà. Merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à mitrailler la barre de pouces verts pour ce dernier épisode. J'espère au passage que le GMV que je vous aurais normalement concocté, vous savez, la mini-introduction spéciale de fin de Let's Play, vous aura plu. En général, ça me prend pas mal de temps, donc n'hésitez pas à la regarder, à me dire ce que vous en avez pensé, puis n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, de ce que vous avez pensé de tout en général, du jeu, de tout ce que vous savez faire si bien. Et merci les amis, je vous aime vraiment, et puis je vous retrouve très bientôt, donc, pour de prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde.